Bon matin! Bon samedi matin! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va number one. J'ai pas eu de nouvelles de mon entrevue hier. Mais on perd pas espoir. Sinon, il y en a tout plein d'autres emplois disponibles à Québec. J'ai postulé à plusieurs endroits. Donc, je devrais avoir des nouvelles aujourd'hui sur ma... Ensuite, je vais aller faire un peu de montage pour vous mettre un vlog en ligne. Sinon, je suis en train de déjeuner. Puis pour déjeuner, ben, je mange un croissant. Le fameux croissant du Costco. Hier, j'ai fait les barres tendres. Hier, j'ai démêlé mes croissants. Aujourd'hui, j'ai du ménage à faire, du classement. On a une très belle journée ensoleillée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer une belle journée à la maison. Sac à couche, j'ai vidé. Le sac à couche. La poubelle à couche, j'ai vidé. Puis avec deux enfants, ça va se remplir encore plus vite. Drôle, ma fille arrête pas de. Des fois, je pense que le dernier tiroir aussi, parce que j'ai mis toutes les moules. En silicone. Faire beau comme ça, on devrait faire le ménage de la voiture. J'ai fini de manger une autre framboise que j'ai marqué sur ma petite liste de choses que j'aimerais faire. C'est pas une méga to-do list là, c'est juste des choses que j'aimerais faire prochainement. Ou c'est des trucs vite frigo. Cornet de sucre d'érable, de verre d'érable, mais je l'ai mis au frigo, fait que je pense qu'il est un petit peu trop durci. Puis, dans les bâtons de mon chum, hier, j'ai mis ces bâtons de Bixie, j'ai mis des canneberges au lieu. Attendez-moi un petit instant, je reviens. Désolée de l'attente, je n'arrête pas de recevoir des appels pour les entrevues. En passant, il est 2 h. Juste pour vous dire que j'ai trois entrevues prochainement. J'en ai 2 demain, puis j'en ai 1 mardi. Ça y est, beau tose, comme on dit. C'est donc bien fou. C'est donc bien fou. Mais j'ai toujours pas eu de nouvelles de l'entrevue que j'ai passée hier. Je devrais avoir des nouvelles d'ici lundi, mais si j'ai pas de nouvelles,
De toute façon, j'ai postulé à d'autres endroits aujourd'hui. J'ai même postulé à un emploi de création de contenu pour les hôtels Jarro. Fait que je sais pas si je vais être pris, si je serai pas pris, mais c'est pas grave, je me suis essayé pareil. Et je me souviens que certaines entrevues que je vais aller passer, le salaire est quand même bon. Puis tout. Désolée de ne pas vous dire c'est où. Parce qu'il y a quand même des langues sales sur YouTube. Fait que si je suis pas choisie, je vous le dirai où est-ce que j'ai été passer mes entrevues. Mais sinon, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ma vie, qui s'intéressent vraiment où est-ce que je vais passer mes entrevues pis tout, venez m'écrire un message privé. De toute manière, j'en connais déjà qui vont venir. Des amis proches, des personnes proches, puis des personnes qui tiennent vraiment à moi. On a bien beau être 270 sur la chaîne, mais c'est pas toutes 270 personnes fiables. Parce qu'avec ce qui s'est passé ce jeudi soir, je commence à avoir des doutes sur mes abonnés. Parce que, ou c'est quelqu'un qui n'est même pas abonné à ma chaîne, puis qui a voulu juste me faire du trouble. Mais bon, c'est du passé. Maintenant, on passe à autre chose. Fait que ce midi, je me suis fait pour dîner un genre de sandwich déjeuner, même si c'était pour dîner. Je me suis fait un. Qu'est-ce que je me suis fait là? Un sandwich western, œuf brie. C'était délicieux. J'ai coupé les morceaux croûtés parce que c'était pas conseillé en scène de manger ça. Puis, que je vais prendre mes vitamines pour l'attaque, j'ai oublié tout le temps. J'en garde une partie dans ma sacoche, puis j'en garde une partie ici. De toute manière, ils sont pas super durs. Ils sont quand même bons. Ils sont surettes un peu, mais. J'ai lavé la salle de bain. J'ai pas fini. J'ai acheté mon aromatiseur à eau à la framboise bleue. Je pensais, faut aimer ça en scène. Continuer d'aimer ça, mais on dirait que ça me tombe sur le cœur. Je me souviens que je me suis acheté, que je suis allée m'acheter mardi chez Clément. Je suis contente de les avoir achetés en rabais avant. Voici les souliers en question. C'est des Reebok. Je les adore. Ils sont super confortables. L'intérieur est rose. Puis, c'est drôle à dire, mais c'est des grandeurs 7 pour Junior qui me font. Puis moi, d'habitude, je porte du 9, 10, 11. Ça dépend des modèles. Mais, ils sont vraiment super confortables. C'est pas mousse mémoire, là. Mais ils sont confortables. Puis, ils me font bien. J'ai pris la plus grande grandeur, c'est des 7. Ils sont faciles à mettre, comme ça. Puis, comme ça. Fait qu'ils sont quand même neutres. Fait que je les aime vraiment. Ils m'ont, au lieu de 54,99, ils m'ont revenu à 27,50. 34. Fait que ça vaut la peine. Hier, j'ai ajouté mes ingrédients pour ma salade d'orzo. Mais je me suis trompée à l'épicerie. Au lieu de prendre du fromage feta qui s'émiette, émietté, hein, j'ai pris du fromage feta crémeux. C'est bon, mais ça fait des moutons dans ma salade d'orzo. Fait que c'est pas intéressant. Je sais même pas encore ce que je vais manger pour souper. On dirait que ces temps-ci, à cause de mes nausées, j'ai moins d'envie, j'ai moins de goût de cuisiner des repas principaux. Regardez, c'est ce qui reste de ma salade. Vous voyez les petits moutons, c'est à cause du fromage feta. C'est juste ça qui est poche, mais bon. Ça, c'est dans mes beaux petits platets, pas vrai? Je me suis fait un cornet beurre d'érable, mais là, mon beurre d'érable est un petit peu trop dur. J'ai pris un cornet de crème glacée.
que j'ai mis du beurre d'érable dedans. Puis là, je l'avais trop fait fondre au micro-ondes, trop ramollie au micro-ondes, que je l'ai mis au frigo, mais il a comme durci. Là, il faudrait que je le mette. Là, je le remette au micro-ondes. Je l'ai mis dans un biberon ou dans un armoire. Si je le mets au micro-ondes pendant 10 secondes, on fait un test. Je pense pas que ça va faire fondre la bouteille. Je fais déjà souvent chauffer mes biberons au micro-ondes. Je pense que ça a un petit peu trop ramolli. Oh, j'aurais dû le mettre 5 secondes. Mais c'est quand même bon là. Puis j'ai passé commande. J'ai encouragé les youtubeuses. J'ai passé commande chez Érablière Côte de Mers. Érablière à Kim. Je me suis commandé justement des cornets de beurre d'érable, un pot de sirop, puis un petit pot de beurre d'érable, je pense. Non, non. Des cornets, 6 cornets d'érable, de beurre d'érable, pas avec du chocolat, juste du beurre d'érable, puis. Une canne de sirop d'érable, puis du sucre d'érable que je peux mettre dans mon yogourt, que je vais mettre dans mes desserts. C'est comme des flocons ou du sucre d'érable. C'est quand même mangeable, mais c'est sucré. On n'a même pas été à cabane à sucre encore. Je vous ai mis un vlog en ligne aujourd'hui. C'est le vlog de jeudi. La journée auquel je ne m'attendais pas à me faire mettre dehors de chez Clément. En tout cas, j'ai essayé de mettre du beurre d'érable sur une crêpe. Mais ça fait trop toquant. Ça fait trop. Ça. C'est du sucre pur, hein? On va se dire du beurre d'érable. Là, j'en ai jusqu'en bas. Là. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Puis nous, on va se reparler plus tard. Ciao la gang!